Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy X-2 et j'ai le master de l'épisode précédent. Nous sommes allés encore une fois, parce que décidément c'est une tradition maintenant, sur la plaine foudroyée et plus exactement dans la grotte à l'intérieur de la plaine foudroyée, pour en dénicher des coffres plus ou moins cachés derrière des parois qui obligent à faire des calculs. Et oui, on en était là. Maintenant, partons enfin vers quelque chose d'un petit peu différent en termes de décor. Forêt de Macalenia, la forêt en péril, la forêt de Macalenia se meurt, tout va vraiment disparaître. Alors on sait que la majorité des habitants de la forêt de Macalenia sont partis. Enfin, je veux dire, il y a plus 10 000 questions à se poser, ils sont à Guadosalam maintenant. Alors du coup, nous, ce qu'on peut faire, c'est on peut imaginer aller du côté de... Attendez, il est peut-être refermé le coffre qu'il y a là-bas. Parce que c'est vrai qu'il y a un coffre, je vais jamais l'ouvrir. Je l'ai ouvert une fois et depuis, je me dis couille, il y a un coffre. Un bracelet runique. Donc nous, on peut aller du côté de du petit étang où on avait vu Trommel. Double les MP, ok. Histoire de voir si vraiment il y a personne. Et sinon, il y a le comptoir de Waka où on peut aussi aller. On n'en parle pas dans le petit message, mais c'est vrai que ça a été un peu notre principal attrait au sein de la forêt de Macalenia et de ses alentours. Parce qu'après, on a passé plus de temps à essayer de trouver des musiciens qu'autre chose, certes, mais c'est avec Waka qu'il s'est passé un maximum de choses. Est-ce qu'il y a encore des gens par ici? Je pense pas, ils sont tous à Guadosalam, y'a pas de raison. Ah! Encore une personne. Les Guados ont quitté la forêt pour gagner Guadosalam. Je crois qu'ils ont emmené avec eux d'autres êtres qui étaient aussi menacés d'extinction. La forêt est devenue bien silencieuse. The woods are so empty. I guess this place doesn't have much time left. Kind of sad to think that all of this will be gone, huh? At least we have our memories. D'accord. On a nos souvenirs, c'est cool. Petite scène. Alors j'imagine qu'avec ça, on a l'épisode clos, mais est-ce que nous, on n'a pas mérité un peu plus avec Waka? Qui va nous remettre un peu d'activité dans ce paysage désert. Ok. Okay. He cast away the family business and ran off for the hills. Gone a whole year ye were. And ye call yourself a Waka the 24th. But you opened the store again without even telling me. Why, I only left back then because my job was gone. Well, I couldn't help it. I got an itch for peddling, I did. Oh. Oh, get in here. Don't want you catching cold. Brother. I'm right ready to pound some business sense into that hapless head of yours. But this doesn't strike me as the best place for getting customers. Don't be a dunderhead. Open your eyes, lad. Maybe you failed to notice our biggest customer has just graced us with her presence. La seule, tu veux dire. Lady Yuna. Now's your chance to practice, lad. Do it just like I taught ye. I taught ye. Well, welcome to Waka's. You buffoon! Put some spice to it, lad. Follow me example. Welcome to Waka's. Welcome to Waka's. No, 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 Waka's. Walkers, welcome to. That's not right. Read my lips. Welcome to Walkers. Welcome to Walkers. Read your lips.
Welcome to Wonderland. Payne s'est barré. That's not how it goes. I didn't ask you. Trico aussi. Everything's returned to normal, I guess. Ah, c'est bien, ils ont pas TP au vaisseau, j'ai eu peur. Oh les mecs, un élixir, il y avait un autre coffre par ici. Magie blanche quoi. Ah c'est trop bien. C'est excellent. Fallait que je fasse foudre. Mince. Il y en a 400 quand même les... Il est où déjà le coffre? Je sais qu'il y a un coffre par là. On l'a déjà ouvert plusieurs fois dans le jeu. La peine de mentir, je sais qu'il y a... Non, il n'y a plus de coffre. Bah, il n'y a plus de coffre. J'étais persuadé qu'il y avait un coffre par ici. On va concentrer les attaques physiques sur l'élémentaire. Bon, allons voir les Waka. Parce que là, ils nous font rigoler et tout. Est-ce que, à tout hasard, on a permis à cette échoppe d'avoir des choses extraordinaires à vendre? Welcome to our Wakas. Je me fais pousser par l'autre. Genre, on en est là, dans notre relation. Oh! Absorbe les dégâts de différents éléments. Bon, classique. Âme du mage permet d'utiliser les compétences de magie blanche, magie noire, rage, sorcellerie. Sorcellerie? Je sais pas ce que c'est. Bushido, escrime, protège de fossiles et de morts. Somnie et stop, folie et fureur. Pas mal. Honnêtement, c'est cool. Je veux dire, si j'ai besoin d'un truc fossile et mort, bam bam. Non, c'est cool. J'hésite presque à en acheter à l'avance, tu vois, pour te dire à quel point c'est bien. To Wakers. Ah, lui aussi, il vend des trucs, mais il vend... Ah non, il vend aussi des choses... Inflige stop en attaquant, somnie, furie, folie. C'est les mêmes que chez l'autre Waka. Protège de mutisme et obscurité, fossile et mort, somnie, folie, furie. Ok, bon, on a une bonne boutique en tout cas, ça fait plaisir. Elle n'est pas spécialement dure à atteindre en plus tant qu'on utilise les ponts de lumière dans la forêt de Macalania, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. On en est à 10 minutes. On est à la lisière, on pourrait se dire, ah, est-ce qu'on finit l'épisode maintenant ou est-ce qu'on continue? On risque d'avoir un épisode un peu plus long. On est à cette lisière-là actuellement. Mais on va continuer. On est dans la générosité aujourd'hui. Et surtout dans le fait que j'ai un peu de temps. Alors. Ah, mais il y a encore un important là. Oh, on n'a pas fini. Je pensais qu'on avait terminé. Parce qu'on a eu un épisode complété en fait. Mais pas du tout. On va passer par là, écoutez.
a déjà parlé à la personne qui était au niveau du lac. Néo Yevon, la Ligue, tout ça commence à me laisser indifférent. Le calme est revenu à Bevel, paraît-il. Ici, rien à signaler, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a un truc par là? Je n'en ai point l'impression. Est-ce qu'il y a un truc par là? Visiblement, oui. Hey guys, mind giving me a moment alone? Aww. Why? Mm-hmm. Got it. Come on, Payne. Sutaki Dane. Sure. I'm not ready to call this just a memory. Not yet. Lueur d'espoir. Non mais on rigolait, on était avec les Waka, c'était marrant, c'était sympa, et ils ont réussi à me rendre triste là, en deux secondes. Non mais c'est bien, ils ont... pas beaucoup de répliques de Yuna sur cette scène, juste un truc très très simple, très très sobre, et ça va juste... ça va droit au but, c'est cool. C'était bien joué. Donc lueur de truc là. Lueur de machin, lueur d'espoir. Augmente la chance. Chance plus 30, ah ouais. Ouais, un truc qui augmente la chance, ça l'augmente bien. Parce que moi, chance, on est quand même à 14, 21, 15, quoi. On en est là dans la chance, là, c'est genre... allez, plus 30, c'est la fête. C'est moi qui offre, allez. Ok, donc cette fois, maintenant, on a bel et bien... un épisode complété. On va vérifier. Et on est bien au temps d'une vidéo... entre guillemets normal. Dit-il après avoir fait une autre vidéo de 40 minutes. Alors, Foi de Macalania. Épisode complété, la foi de Macalania s'évanouit peu à peu en silence, mais les souvenirs resteront. Ça c'est bien, hein, vrai. Ah, on est toujours sur du 5 étoiles. Hein. Là on l'a descendu à 3, mais... ici... là on l'a descendu à 1, mais là ça reste à 5. Ça fait trop peur le désert de Bicanel, honnêtement. C'est le dernier truc qu'on fera. Bon, mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite de FF10 2 HD Remaster dès que possible. Et d'ici là, comme à l'accoutumée, portez-vous mieux. Bye.